Départ de cette première épreuve, le prix du Clos-Paquet. Une course plate, 2400 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans, autre que Pur Sang, avec un bon départ pour Anixia, avec également deuxième position Billy Jess, encadré côté corde par Adula, et à l'extérieur par maintenant Barnto. Alors qu'en cinquième position au centre, nous avons Vlouville. En avant-dernière position, nous avons le numéro 1, Babylon Glory, en dernière position, Alliance Dorée. Avec Anixia qui a l'avantage, avec en deuxième position Billy Jess. On vient en troisième position plutôt côté corde avec Adula, accompagné à son extérieur par le numéro 5 Barnto. Alors que dans leur sillage en cinquième position, nous avons le numéro 1 Babylon Glory, juste devant Ouvlouville, et toujours en septième et dernière position Alliance Dorée. Avec Anixia qui a toujours l'avantage, 5-6 longueurs d'avance maintenant sur Billy Jess. On vient en troisième position, toujours côté corde, avec la casaque cerclée blanc et verte de Adula, accompagnée encore à son extérieur par Barnto. En cinquième position, également côté corde, le numéro 1, à Babylon Glory, accompagné encore par Ouvlouville, et toujours Alliance Dorée qui ferme la marche. Alors qu'il leur reste 1400 mètres à parcourir, pas de changement en tête, à savoir toujours le numéro 7, Anixia, avec en deuxième position toujours Billy Jess. On est troisième le long de la corde avec Adula également sur la même ligne. Barnto juste devant encore Babylon Glory en sixième position, toujours Ouvlouville, et en dernière position, nous avons Alliance Dorée. Il leur reste un peu plus de 1100 mètres à parcourir. On anime toujours les débats avec Anixia. On est toujours en deuxième position avec la casaque blanche de Billy Jess. Alors qu'on est en troisième position avec le numéro 5, Barnto. Avec Adula qui patiente en quatrième position. Avec également un peu plus loin et en cinquième position, Babylon Glory avec Ouvlouville et Alliance Dorée. À la clairière. Anixia côté corde, on vient à son extérieur maintenant avec Billy Jess, on vient complètement à l'extérieur avec Barnto, on est quatrième avec numéro 3 Adula, devant encore le long de la corde numéro 1 Babylon Glory, accompagné par Ouvlouville et maintenant décollé du peloton Alliance Dorée. Ils vont sortir du petit bois, il leur reste environ 600 mètres à parcourir. Avec Anixia côté corde, avec également au centre Barnto, Billy Jess qui vient complètement à l'extérieur. Adula qui vient maintenant dans l'ensillage, alors qu'on est en cinquième position côté corde avec Babylon Glory, accompagné par Ouvlouville, alors que loin derrière, nous avons Alliance Dorée. Ils vont bientôt sortir du dernier tournant pour aborder l'ultime ligne droite, un peu plus de 300 mètres à parcourir. C'est Billy Jess qui va rentrer en tête avec en deuxième position Anixia. Mais on s'annonce maintenant à l'extérieur avec Adula, alors qu'on est en quatrième position maintenant avec Ouvlouville, un peu plus loin Babylon Glory, on a complètement cédé avec Barnto, il leur reste 150 mètres à parcourir avec Billy Jess qui a toujours l'avantage, avec en deuxième position Adula, avec en troisième position Ouvlouville et Anixia le long de la corde, avec Billy Jess attaqué par Adula qui finit de plus en plus vite côté corde, avec le numéro 2 Billy Jess qui s'impose dans cette première épreuve, la deuxième place pour le numéro 3 Adula et la troisième place à l'extérieur pour Ouvlouville, devant encore le numéro 7 Anixia.